un souci ? Ça, tu peux le dire. Mon champion, l'ours de Thrace, s'est enfui. C'est un tueur impitoyable. Aussi fou qu'une hyène en chaleur. Sa tête est mise à prix. Et il y a une belle récompense à la clé. Pourquoi on le compare à un ours ? Ah, si vite, Égyptien. Je ne t'engagerai que si tu me prouves que tu es capable d'étriper l'ours. Voyons comment tu te débrouilles face à mes meilleurs combattants. Si tu survis, on en parlera. Polymestor est une crapule sans foi ni loi. Il s'est battu dans toutes les arènes de la République. Il m'a rapporté une fortune et je l'ai traité comme un roi. Les meilleurs plats, les meilleurs bordels. Peut-être préférait-il la liberté. J'ai gagné ma liberté par mon sang et ma sueur dans l'arène, pas en fuyant comme un lâche. Écoute, je me moque que ce fils de chienne vive ou meure. Mais il m'a volé mon épée, celle que César m'a offerte lors de mon dernier combat. Jules César ? Ce guerrier a fait ses preuves dans l'arène. Montrez-lui qu'on n'a pas besoin de public ni d'encouragement pour détruire quelqu'un. Je suis un champion. Quel spectacle! Tu es un vrai guerrier. Est-ce que ça te suffit? Oui, pas besoin de fanfaronner. J'ai entendu dire qu'une ferme avait été attaquée à l'est de Cyrène. Va voir là-bas. Ce petit baiseur de chienne, il se laissera pas faire. Mais la récompense est pour l'épée. Tu as compris? Je trouverai ton champion. Et ton trophée. Quelle assurance! J'aime ça. Je verserai peut-être une larme s'il t'étripe. Percer puis torturer. Pourquoi ? Pour les faire parler ? On lui a tiré dans le dos. Il cherchait à fuir ou à se cacher. Par plusieurs épées. À moins que les lions ne soient venus armés, ce n'est pas eux qui les ont tués. Des épées, des lances, des flèches. Les tueurs n'étaient pas seuls. Ils ont été massacrés.
Il y a quelque chose là-dessus. Une carte dissimulée. Tiré dans le dos. Il cherchait à fuir ou à se cacher. Transpercé puis torturé. Pourquoi? Pour les faire parler? Blessure, infligée par plusieurs épées. À moins que les lions ne soient venus armés, ce n'est pas eux qui les ont tués. Des épées, des lances, des flèches. Le tueur n'était pas seul. Ils ont été massacrés. Quelque chose là-dessous. Une cape dissimulée. Limestor n'a pas tué ces gens. Il l'était. Peut-être qu'il a rejoint le village de pêcheurs. Les gardes sont très vigilants par ici. Je cherche un gladiateur. L'ours de Thrace. Un autre homme de main du Lanniste. Combien t'a-t-il offert pour m'égorger? Il ne veut que son épée. Oui, couverte de mes tripes. Comment tu m'as trouvé? Les paysans? Je suis navré, Polymestor. Tous tes amis sont morts. Sur ordre du Lanniste! Je lui ai donné ma vie. Maintenant, je vais prendre la sienne. J'ai jeté l'épée dans la mer. Prends-la! Cette saleté ne m'a apporté que le malheur! Morias para las quemasmas de Duda Nestil.
L'épée du Laniste. Il faut que j'aille voir Polymestor. Où est mon épée? Faut tout ôter! T'as qu'à venir la chercher! Ah! Voilà notre crétin d'Égyptien! Je savais qu'il me mènerait jusqu'à toi! Maintenant, finissons-en! J'en ai plus qu'assez de fuir, Laniste! Tais-toi, Métrocoïtesse! Pour la liberté et pour la trace! Charon a dû pleurer en voyant ce combat. Merci, Bayek. Bayek, le prix de ma liberté. Je l'ai gagné au moins 1000 fois. Mais je lui rapportais beaucoup trop d'argent. Dans l'arène et dans le lit des Romaines. Garde l'épée de César. Elle appartient à ceux qui se battent pour la liberté et l'honneur. Merci. Je m'en servirai pour châtier les injustes. Jamais les innocents. Et toi, que vas-tu faire? Pêcher, réparer mes filets et me trouver une petite femme bien en chair. Je compte bien en profiter de cette nouvelle vie.